Dieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut des opères, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut des opères, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. Joyeux remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Paix en allégresse quand il reviendra. De Jésus la joyeux. La première bénédiction que Dieu dépose sur l'homme, first blessing God drop upon the man, c'est la multiplication et la fécondité. Is multiplication and fruitfulness. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Et dans Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2. Dieu bénit l'homme. God bless the man. Et il dit, soyez féconds. And he said, be fruitful. Multiplier. Increase.
Et dans Genèse chapitre 2, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il parle du mariage. It is not good for man to be alone, he talked about marriage. Et j'ai dit ici et je le répète encore ce soir. I still repeat it tonight. La première chose que le diable attaque dans la vie d'une personne est liée à la première chose que Dieu a donnée à une personne. The first thing the devil attacks in the life of somebody is linked to the first thing God has given to that person. Quand le diable sait que c'est pas quelque chose que Dieu veut te bénir, le diable va attaquer la chose. When the devil knows God will use that thing to bless you, the devil will attack that thing. Alors, quand Dieu bénit l'homme par la multiplication et la fécondité, when God blesses a man by multiplication and fruitfulness, le diable attaque l'homme par les mariages spirituels pour détruire la multiplication et la fécondité. The devil attack the man through spiritual marriage to destroy multiplication and fruitfulness. Nous commençons ce soir à exposer les mariages spirituels et à les détruire tout à l'heure par la prière. We start exposing spiritual marriage and destroy by prayer. Le plan de Dieu pour chacune de nos familles et pour chacun de nous, c'est qu'on se multiplie afin de dominer et d'être puissant. The plan of God for us is to rule in order to be powerful. Il y a une puissance et un pouvoir dans la multiplication. There's a power and a might in multiplication. Il y a un avenir et un espoir dans la fécondité. There is a future and hope in fruitfulness. Il fallait que Esther naisse pour qu'une fille d'Israël épouse un roi. It took for Esther to come to the world for a daughter of Israel to marry a king. Si les parents d'Esther n'étaient pas féconds, Esther ne naîtrait pas et on n'allait pas avoir une fille d'Israël qui épouse un roi. Donc tu dois savoir, Église, you must know, church, que Dieu qui veut que nous soyons puissants, God want us to be powerful, que Dieu qui veut qu'on obtienne le pouvoir, God want us to have the parce power, que le pouvoir est d'abord spirituel, the power is first in spiritual, il faut qu'on réalise que c'est dans la multiplication et la fécondité que le diable va nous attaquer. It is in multiplication and fruitfulness that the devil will attack us. Multiplication physique, physical multiplication, multiplication matérielle, material multiplication, tout ce qu'on a all what we have doit être multiplié. Must be multiplied. Le diable et les démons savent que lorsque le peuple de Dieu se multiplie, ils deviennent dangereux contre le royaume des ténèbres. The devil knows when the people increase in number, they are dangerous against the kingdom of darkness. N'as-tu pas lu dans Exode chapitre 1? Have you not seen in Exodus chapter 1? Lorsque le pharaon qui a connu Joseph est décédé, when the pharaoh who knew Joseph was dead, le nouveau pharaon qui arrive, the new pharaoh who came, réalise que le peuple de Dieu est en train de se multiplier et il devient puissant. Realize the people of God are increasing and are becoming powerful. Exode chapitre 1 à partir du verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi. Un nouveau roi. Il n'avait point connu Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Il dit à son peuple. Il dit à son peuple. Vois les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Voici le peuple d'Israël devient nombreux et puissant. The people is becoming numerous and powerful. Seulement à cause de ça, on doit les détruire. Because of that, we must destroy them. La première chose que le mariage spirituel fait contre une famille. The first thing the spiritual marriage does against a family. Il détruit la fécondité et la fertilité. It destroys fertility and fruitfulness. La deuxième chose que le mariage spirituel fait dans une famille. The second thing the spiritual marriage does in a family. Empêche que la richesse de la famille se multiplie. It hinders the riches to multiply. Le père peut être riche, mais les enfants deviennent misérables. The father can be rich, but children are miserable. Le père peut être intelligent, mais les enfants sont idiots. The father can be intelligent, but children are insane. La mère peut être ambitieuse, mais les enfants sont bizarres. Mother can be ambitious, but children without ambition. Donc quand le mariage spirituel rentre dans une famille, les maris spirituels, when spiritual husband enter in the family, ils viennent attaquer la fécondité. They attack fruitfulness. Et c'est pour ça que vous verrez dans cette saison, that's how you see in this season, les enfants de moins de 30 ans avoir les fibromes et les myomes. Children of less than 30 having fibromes, avoir les problèmes de fertilité, having problems of fertility, parce que les maris spirituels, because spiritual husbands, sont ces démons, are demons, sont ces esprits humains, are those human spirits, mandatés par l'enfer, hated by hell, pour venir détruire la famille. To destroy the family. Un enfant de qui n'a pas encore connu l'homme ou la femme peut être marié spirituellement. A child who has not yet a man or woman can be spiritually married. Et commence à avoir des attaques dans ses rêves. And start having attacks in his dreams. Pharaon voit que le peuple devient nombreux et puissant. Il dit pour empêcher qu'il s'accroisse. To hinder them to increase. Venez. Come. Montrons-nous plus habiles que eux. C'est donc dans cet esprit, in that spirit, que dans Genèse chapitre 6, that in Genesis chapter 6, les esprits du deuxième ciel, the spirit of the second heaven, à partir du verset 1, as from verse 1, virent que les filles des hommes étaient belles. So the daughters of men were beautiful. Lorsque les hommes eurent commencé à faire quoi?
à se multiplier sur la chaque face de la terre. Chaque fois qu'il y a multiplication quelque part, le mari spirituel n'est pas loin. Every time multiplication is somewhere, the spiritual husband is near. Chaque fois qu'il y a multiplication quelque part, les esprits des nuits ne sont pas loin. Every time multiplication is somewhere, the spiritual ils husband vont chercher à empêcher. Trying to hinder. Quand le diable voit the devil sees que l'église est en train de grandir, the church is going ahead. On va mandater les sorciers they will mandate wizards pour venir connecter les uns et les autres au mariage spirituel. To connect people to spiritual marriage. Quand le diable voit que cette famille est en train de décoller, when the devil sees the family is going ahead, les maris spirituels ne seront pas loin. Spiritual husbands will be near. Lorsque les hommes, when men, nous lisons, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, lorsqu'ils ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, et que les filles furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les esprits du deuxième ciel, les anges déchus, virent qu'elles étaient belles. Écoute-moi, dans le règne spirituel, la beauté n'est pas que physique. Beauty is not only physical in the spiritual realm. La beauté de Joseph se manifestait par sa capacité à être intelligent. His beauty was manifested by his ability to be intelligent. La beauté de Joseph se manifestait par sa capacité à multiplier tout ce que ses mains touchaient. His beauty was manifested through his ability to multiply all what donc, he has touched. Quand on parle de la beauté des filles, des hommes, ce n'est pas seulement l'aspect d'un beau visage. That beauty does not only represent a beautiful face. Dans beauté là, in beauty, il y a richesse. There is riches. Il y a abondance. There is abundance. Il y a bénédiction. There are blessings. Il y a élévation. There is elevation. Il y a la grâce. There is a grace. Donc beauté rime avec grâce. Beauty rime with grace. Lorsqu'ils ont vu la grâce sur les filles des hommes, when they saw the grace on the daughters of men, ils ont dit on ne peut pas laisser une telle grâce, il faut attaquer. They said they must attack. Et la meilleure solution qu'ils ont trouvée pour attaquer les hommes qui avaient les filles, c'est en venant coucher avec elle. The best solution they find is to sleep with them. Le mariage spirituel établi contre une personne vient pour détruire sa grâce. Spiritual marriage established against a person comes to destroy her grace. N'as-tu pas remarqué qu'il y a des gens? Have you not noticed that there are people? À la veille d'une grande rencontre, ils font les couches de nuit. At the eve of a great encounter, had sex at night. C'est la veille du jour où tu allais demander le visa que la nuit là, le mari spirituel qui a disparu depuis 3 mois réapparaît. The eve of your rendezvous to the embassy, the spiritual husband appeared again. Et tout ce que tu dois faire le lendemain, ça va échouer. All what you will do the next day will fail. Parce que le rôle du mari spirituel, c'est d'entrer dans ta vie et détruire tout ce qui est censé faire briller ta vie. The role of the spiritual husband is to destroy all what is supposed to make shine your life. Lorsqu'ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront de 120 ans. Lorsque les filles des hommes rencontre les démons, les maris spirituels, when the daughters of men met the spiritual husbands, vient directement la malédiction. Come directly the curse. Vient directement la séparation avec l'Esprit de Dieu. Comes directly separation with the Spirit of God. Tu vas savoir une chose ce soir. Know one thing tonight. C'est que chaque famille a sa grâce. Each family has grace. Et cette grâce est déposée premièrement sur les filles de la famille et aussi sur les hommes de la famille. That grace is firstly upon the daughters and boys of the family. Dieu ne bénit pas une famille en déposant la même grâce sur tout le monde. God doesn't bless a family while dropping the same grace upon everybody. Chaque grâce déposée sur un enfant de la famille, every grace dropped upon a child of the family, est censée apporter une bénédiction particulière dans la grande famille. It's supposed to bring a particular blessing in the whole family. Et la plupart de ceux qui ont reçu des grâces spéciales sont ceux qui sont le plus attaqués. Most of those who receive special grace are the most attacked. Donc généralement, ne te plains pas de ce que c'est toi qui as autant de problèmes. Don't complain of the fact you have a lot of problems. Les problèmes que tu as émanent du fait que la grâce que tu transportes énerve le diable. Your problem comes from the fact the grace you are carrying vexes the devil. Et le meilleur instrument que le diable utilise pour détruire une personne, c'est le mariage. And the best instrument the devil uses to destroy a person is marriage. Parce que dans le mariage, il y a la soumission au mari. Because in marriage there is submission to the husband. Je veux dire qu'il y a obligation de soumission au mari. There is an obligation of submission to the husband. C'est pour ça que le diable a utilisé le mariage spirituel comme une arme fatale pour détruire homme comme femme. That's why the devil uses a spiritual marriage as a fatal weapon to destroy man as woman. Femme spirituelle, mari spirituel, c'est mari spirituel. Spiritual husband or wife is spiritual husband. On dit femme spirituelle parce que l'esprit a pris l'apparence d'une femme. We say spiritual wife because the spirit took the form of a mais woman. Mais c'est un mari spirituel pour l'homme qui est en relation spirituelle avec
l'esprit. It is a spiritual husband for the man who has a relationship with the spirit. Quand c'est un esprit qui prend l'apparence d'un homme, when the spirit takes the form of a man, il est plus facile pour nous d'appeler ça mari spirituel. It is easier for us to call spiritual husband. Mais sache que l'esprit est l'apparence d'un homme, whether the spirit is a man, que l'esprit est l'apparence d'une femme, or the form of a woman, c'est un mari spirituel. It's a spiritual husband. Et le but de ce mari, c'est de te soumettre à ses exigences. His goal is to submit you to his requirements. Parce que quand Dieu établit le mariage pour l'homme et la femme, il met des lois selon lesquelles la femme doit se soumettre. When God established marriage, he issued law according to which the woman femme must be submitted. Femmes, soyez soumises. Women, be submitted. Et Dieu dit, les désirs de la femme se tournent vers le mari. The desires of the women are turned to the husband. Donc dans le règne de l'esprit, in the spiritual realm, c'est le mari spirituel qui dit ce qui est bien pour toi. The spiritual husband is he who says what is good for you. C'est le mari spirituel qui dit ce qui rentre ou ce qui sort de ta vie. He says what enters or leaves your life. Le mari spirituel a la capacité, the spiritual husband has the ability, de te laisser évoluer à l'école, to let you evolve at school. Et à un moment précis de ta vie, at a specific time quand in your le travail doit arriver, when work must come, il gâte tout. He spoils everything. Le mari spirituel peut te laisser avoir toute qualité de relation amoureuse. He can allow you to have every kind of love relationship. Mais dès que tu te maries, when you get married, ou tu veux te marier, or you want to get married, le mari spirituel gâte tout. The spiritual husband spoils everything. Le mari spirituel peut te laisser concevoir des hommes avec qui tu ne veux pas faire l'enfant. He can allow you to conceive with men with whom you don't want Mais to have a dès child. Que tu tombes sur celui que tu aimes et que tu épouses, when you encounter who you love and you le marry mari him, spirituel dit à l'heure là l'enfant ne vient pas. He says you won't conceive. Tu dois savoir que quand un mari spirituel agit contre toi, when a spiritual husband acts against le you, mari spirituel te laisse faire, it lets you do selon son bon plaisir, according to his will. C'est pas parce que tu as l'impression que ça marche maintenant, it's not because things are working que now, tu n'as pas de mari spirituel. You have no spiritual husband. C'est pas parce que tu t'es marié, it's not because you got married, que tu n'as pas de mari spirituel. You have no spiritual husband. Pas parce que tu as fini d'avoir tes diplômes, not because you are certificated, ou tu as eu des enfants, or you had children, que tu n'as pas eu le mari spirituel. You have no spiritual husband. Le mari spirituel peut te laisser avoir les enfants, il gâte tous les enfants. He can leave you have children and spoil all your children. Aucun de tes enfants n'est normal. None of your children is normal. Ceux qui sont maladifs, those are sick, ceux qui sont bêtes à l'école, others are stupid, ceux qui sont school, turbulents, some are ceux qui deviennent homosexuels, others are homosexual, ceux qui deviennent des brigands, others brigands. Le mari spirituel, the spiritual husband, t'as dit comme tu veux forcer pour faire les enfants, as you want to force, fais les children, enfants. Mais comme c'est moi ton mari, as I am your husband, c'est moi qui définis define la trajectoire qu'auront tes enfants. Et tu verras dans des personnes, and you see people, aucun des enfants là n'est en santé. None of those children are in good health. Soit c'est une maladie physique, either it is a physical soit disease, c'est une maladie mentale, a mental disease, soit c'est une maladie spirituelle. A spiritual disease. Ce problème vient d'où? That problem, where does it le come? Mari spirituel. Spiritual husband. Quand les démons sont venus épouser les filles, when demons marry the daughters ils sont venus of men, déposer des semences dans les filles. They drop seed in there. Ils ne sont pas restés sur la terre. They didn't remain on ils earth. Sont repartis au ciel. They returned to heaven. Une fille qui a une semence satanique en elle va contaminer tout ce qui va rentrer sexuellement en contact avec elle. A girl who has an evil seed in her will infect others who have sexual intercourse. Le mari spirituel dépose un point de contact, un esprit de contrôle dans ton corps. The spiritual husband drops a spirit of control in your body. Et tous ceux qui rentrent sexuellement en contact avec toi sont contaminés par cet esprit. And all those who have sex with you are infected by that spirit. Je vous ai dit que le mariage spirituel est une chaîne. Spiritual marriage is a chain. Un sataniste couche avec une jeune fille. A satanist sleeps with a young girl. Il dépose le serpent dans son ventre. He drops snake in her belly. Et le temps qu'elle mange un peu d'argent, elle est sûre qu'elle est trop belle, elle est trop intelligente. Après, elle le quitte et fuit. After she leaves and runs away. Lui, il part. Goes. Mais l'esprit est resté en elle. But the spirit remained in her. Tous les hommes, all the men qui vont passer là, who will come there, rentrent dans le même mariage spirituel. Enter in the same spiritual marriage. Et les hommes qui sortent de là, and men who are coming out, vont rencontrer des filles naïves. They encounter naive girls. Qui vont rentrer dans le même mariage spirituel. Enter in the same spiritual marriage. Et j'ai expliqué ici. And I explained. Il y a des mariages spirituels qui émanent d'abord de la famille. Some spiritual marriage flow first from the family. À partir du nom qu'on porte. As from the name we bear. Ce n'est pas un hasard si la plupart des gens que Dieu a utilisés ont d'abord changé leur nom. To use people God has first of all changed their name. Dieu rencontre Abraham pour l'utiliser, il change son nom, il l'appelle Abraham. God changed Abraham in Abraham. Dieu rencontre Jacob. God met Jacob. Pour l'utiliser, il change son nom, il l'appelle Israël. To use him, he called him Israel. La plupart des gens que Dieu a utilisés là d'abord changeaient le nom parce que le nom est une adresse dans le règne spirituel. God first of all changed the name of those he used because the name. Quand tu te maries, tu dois porter le nom de ton
marie. When you get married, you must bear the name of your husband. Et quand tu es marié, when you are married, spirituellement married, toutes les grâces qui sont censées tomber dans ta vie sont dirigées vers ton mari. All the grace that are supposed to fall in your life are led to your husband. Et le mariage spirituel nous conduit à avoir les enfants spirituels qui sont des démons en chair. Spiritual marriage leads us to have spiritual children that are demons in flesh. Si tu es marié spirituellement, il est possible que tu aies des enfants dans le règne spirituel qui ont 22 ans. If you are married spiritually, it is possible for you to have children in the spiritual realm who have 22 une years old. Une femme qui fait les rêves, qu'elle a accouché dans les rêves, c'est pas un enfant physique, c'est un esprit. A woman who dreams about children in the dream is not a real child, et but a spirit. Et j'ai expliqué que le mariage spirituel se fait avec deux types d'esprits. Spiritual marriage is done with two kinds of spirits. Numéro 1, number one, les démons. Demons. On peut te marier à un démon. You can be married to le a demon. Le démon c'est un ange déchu. The demon is a fallen angel. Numéro 2, number two, on peut te marier à un esprit humain. You can be married to a human spirit. Il y a deux types d'esprits humains. Two kind of human spirit. L'esprit humain de quelqu'un qui vit encore ou l'esprit humain de quelqu'un qui est déjà mort. The human spirit of somebody who lives or somebody who is dead. Il est plus facile de marier quelqu'un à un esprit humain donc mort à partir du nom qu'on te donne. It is easier to marry somebody to the human spirit of a dead as from the name chaque you are given. Chaque parent qui m'écoute ce soir. Every parent listening or watching tonight. Doit vérifier numéro 1 le nom qu'il porte. Must check number one the name he bears. Numéro 2 le nom qu'il a donné à ses enfants. Number two the name he gave to his children. Quand vous remarquez dans une famille. When you notice that in the family. Tous ceux qui ont le nom de. Those who have the name of. Du grand-père ou de la grand-mère ou de tel oncle, or that uncle, ils ont le même type de problème. They have the same kind aucune of problems. Des filles que l'on de la grand-mère réussit à se marier. None of the girls are celles qui se marient souffrent dans le mariage. Those who get married suffering elles their marital sont home. Humiliées dans le mariage, humiliated in their maltraitées home. Dans le mariage. Ill-treated in their marital en fait, home. N'oubliez pas que la plupart de ceux qui sont mariés ne le sont que de nom. Most of those who are married are only married by name. Beaucoup sont dans des relations d'esclavage, c'est pas le mariage. All those in relationship of slavery. Mariage rime avec épanouissement et réjouissance. Marriage works with enjoyment. Si ce que tu dis, tu es marié là et là-bas, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, c'est pas le mariage, c'est la prison spirituelle. Donc quand tu portes le nom name, qui te donne une adresse dans le règne spirituel, de quelqu'un qui était compliqué ou qui était marié à quelqu'un qui était compliqué, of somebody complicated or married to somebody who was complicated. À cause de ce nom, tu peux être marié à l'esprit de ce mort. Because of that name, you can be married to the spirit of that deceased. Donc on a person. Dans nos églises in our churches, des personnes qui servent Dieu, people who serve God, mais qui sont mariées but who are married aux esprits de mort de leur grand-père, to the spirit of death of your grandfather. Sont mariés who are married aux esprits de mort de leur grand-mère. The spirits of death of their grandmother. Et je l'ai dit déjà, and I already said je le répète ce soir, I repeat it tonight. On ne peut pas dire qu'on a divorcé s'il n'y a pas quelqu'un qui a prononcé le divorce. We cannot say we divorced if somebody didn't pronounce that les divorce. Les couches genoux ne sont qu'une infime partie des manifestations du mariage spirituel. Sex and that are just a little part of a manifestation of a spiritual marriage. Tu peux ne pas faire les couches de nuit, you might not have sex mais at tu es marié spirituellement. But you are spiritually married. Et c'est même très grave parce que une personne qui ne rêve pas est même déjà morte. Parce que c'est le mari spirituel qui vole tous tes rêves. Because the spiritual husband steals soit all your tu dreams. Rêves, tu oublies, soit tu ne rêves même pas. Either you dream, you forget, or mais you dans don't les even deux dream. Cas, but in both cases, le mari spirituel contrôle ton âme. The spiritual husband controls le mari your soul, spirituel contrôle ta pensée. Controls your thoughts. Le mari spirituel contrôle tes émotions. Controls your emotions. En contrôlant tes émotions, by controlling your emotions, il change ton humeur en fonction de ce qu'il veut que tu produises comme résultat. He changes your mood according to what he wants you to produce. Une personne qui est mariée spirituellement à l'esprit humain, a person who is spiritually married to the human spirit of a dead, a les envies de suicide, has envy of suicide. Une personne qui est mariée spirituellement, a person who is spiritually à l'esprit married humain d'un mort, to the human spirit of a dead, sait rêver naturellement des morts, knows how to dream naturally pense about the avec dead, les morts, discuss mange with the dead, dans les rêves avec les morts, eat in the dreams with the dead. Donc quand tu es mariée spirituellement à l'esprit humain d'un mort, when you are spiritually married to the human spirit of dans a le dead, règne spirituel, tu vis dans le règne des morts. In the spiritual realm, you live in the realm of death. Parce que c'est le mari qui définit le lieu de résidence du couple. Because a husband defines the place of living of the couple. Tu peux pas être marié spirituellement à l'esprit d'un humain d'un mort et tu crois que tu vis. You can not be spiritually married to the human spirits of a dead and you think you are living. Je l'ai dit déjà ici. I already said it here. On y reviendra certainement parlant des marabouts et des féticheurs parce que tout féticheur travaille avec l'esprit de mort de son grand-père. Every fetishist works with the spirits of death of his grandfather. Et l'esprit de mort a un totem. And that spirit has a totem. Donc le féticheur te marie à l'esprit de mort de son ancêtre et au totem et à l'esprit du totem. Donc tu es placé là, tu es marié à ton grand-père, à ta grand-mère, à toi ex et au serpent de tes féticheurs. Donc si tu as vu 8 féticheurs, là où tu es placé là, tes maris te discutent.
Et tu ne comprends pas pourquoi. You don't get why. Dans ton petit corps, il y a toute qualité de maladie. You have every kind of disease in your body. Et il y a des maladies qui ne te quitteront pas parce que tu as pris les médicaments. Ça va te quitter que si tu es délivré. Some diseases will disappear Amen. Only if you are delivered. Il y a une soeur qui m'a écrit. Go. Elle n'a même pas 35 ans. Elle a un cancer. Less than 35, she has a cancer. Elle allait à l'hôpital. On a fait le premier diagnostic cancer. She went to the hospital first diagnosis cancer. Deuxième diagnostic cancer. Second diagnosis cancer. Elle est venue, on a prié ici. She came, we prayed here. Avec l'eau. With the water. Programme de prière. Programme of prayer. Elle est repartie à l'hôpital. She returned to the hospital. Elle a refait l'examen une fois. She did the test once. Le cancer avait disparu. The cancer hey. Elle a refait la deuxième fois. She did the second time. Le cancer avait disparu. Oh. Elle a refait la troisième fois. Yeah. Le cancer avait disparu. My God. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, yes. même si la maladie l'est cachée où ah. Je prie et je prophétise. Yes, même si c'est le VIH qu'on t'a donné, oh. avant la fin de cette semaine, hey. Je chasse ça au nom de Jésus. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Si tu te lèves, tu dis amen, tu es libéré. Amen. Si tu te lèves, tu dis amen, tu es libéré. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes, toute maladie hey. Imposée par un mari spirituel hey. Te quitte ce soir. Amen. Dis amen fort. Amen. Te quitte ce soir. 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 Amen. Dis amen comme le tonnerre. Amen. C'est toi. Yes. La jeune fille était choquée. The young girl was shocked. Et les médecins même sont choqués. Even medical doctors are shocked. De voir que le cancer a été guéri sans faire la chimio. To see cancer was healed without. Et tu n'es pas dans une église normale. You're not in the normal church. Tu es dans une église où il y a la puissance de Dieu. But there is a power. Même si le mal là a duré dans ton corps depuis 20 ans. No matter how long that pain lasts. À partir de l'onction qui coule sur cet autel. Yes. Si ce mal vient d'un mari spirituel. If it comes from a spiritual husband. Pendant que je le chasse, tu es guéri. Pendant que je le chasse, tu es guéri. Amen. Si tu n'arrives pas à concevoir ah. à cause d'un mari spirituel, hey. Pendant que je le chasse, tu es libéré. Amen. Si tu n'arrives pas à être béni, ah. tes affaires ne marchent pas ah. à cause d'un mari spirituel. Mais God. Pendant que je le chasse, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Le mari spirituel, c'est l'esprit humain. The spiritual husband is a human d'un vivant. Of a person who is alive. Aïe, 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 aïe. En fait, quand c'est l'esprit humain d'un mort, the spiritual... le jour qu'on l'enterre, on l'enterre avec vos vies. Where's the human spirit of a dead? Il y a des gens qui sont ici ce soir. Some people are here tonight. Le jour où on avait enterré ton grand-père, on a fait les rites pour que vous ne le voyez pas dans les rêves. En fait, on vous faisait les rites pour vous emprisonner dans sa tombe. They were making rites to you to prison you in his grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les rites qu'on fait pendant les deuils. Be careful with the rites that are done during the burial. Il y a beaucoup de rites qu'on fait pendant les deuils où les initiés savent. Some rites qu'on are done. On a de connecter les petits enfants à l'esprit de monsieur qui part. Aucun grand depuis la nuit des temps ne meurt seul. On enterre les rois, on enterre les puissants avec les innocents. Hey. Donc on vous enterre vivant. You are buried alive. Vous ne savez pas qu'on vous enterre. You don't know that you are buried. Pendant qu'on vous fait les rites, while you are doing rites, on vous enterre avec la personne. You are buried with the person. Il n'y a pas de grand esprit. There is no great spirit. Il n'y a pas de patriarche. There is no patriarch. Écoute-moi très bien. Listen to me on well. Ne peut pas enterrer un patriarche seul. You cannot bury a patriarch on va l'enterrer avec ses épouses, you bury with his wife, avec certains de ses enfants. And some of his children. Tu dis que je n'ai pas pour Dieu de mon oncle sorcier. On enterre ton esprit. Écoute-moi très bien. Listen to me well. Généralement, on enterre la personne avec ses homonymes. With her name safe. Et pendant qu'on vous met dans la tombe, while you're dropping the grave, pendant qu'on vous met dans la tombe, while you're dropping the vos grave, mariages dans la tombe, the marriage in the la grave, santé dans la tombe, relation dans la tombe, nomination dans la tombe, succès dans la tombe, finance dans la tombe. La seule chance que tu peux avoir, c'est d'arriver à l'église et on te délivre. Je dis que la semaine ici ne finit pas. Même si ta vie est dans une tombe quelque part, je sors ça au nom de Jésus. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Je sors ça au nom de Jésus. Amen. Je sors ça au nom de Jésus. Amen. Tout domaine de ta vie qui est enterré, je déterre. Amen. Tes finances, tes finances, ta santé, ta santé, tes enfants, ton étoile, ta destinée, ta gloire, ton avenir, sors, 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 au nom de Jésus. Assieds-toi. Yes.
Écoute-moi très bien. Listen to me very well. Il y a des morts. There are some deaths. Quand la personne là meurt. When that person died. Et que les initiés l'enterrent. And those who initiated bury her. Je causais avec une personne. I was talking with a person. Écoute-moi très bien. Listen to me well. Nous qui sommes issus des familles où il y a des gens qui sont dans les loges, les choses compliquées. We coming from family where there are complicated people. Quand quelqu'un qui est dans les pratiques when meurt. Somebody who does practice. Quand ses fratères viennent l'enterrer. When the member of his brotherhood come to bury ils him. Ils viennent faire des pratiques numéro un pour récupérer ce qu'on lui a donné. They make practices number one to recover what he was given. Et hypothéquer ceux qui sont ses descendants. And mortgage those who are his offspring. Je vous ai dit que les grands esprits ne meurent pas seuls. Great spirits don't die alone. C'est pour ça qu'après la mort de certains grands esprits, la déchéance et le chaos descendent dans la famille. After the death of some great spirit, called this tent descend in the family. Parce que pendant l'enterrement, on l'enterre avec certains enfants qu'on a choisis. Because during the burial, he's buried with some chosen children. Tu crois que si on enterrait ton géniteur avec l'esprit de son père? If your genitor was buried with the spirit of his tous father. Tous les enfants de ton père sont où? Where are all the children of your father? Tu vis. Live. Mais tu es enterré quelque part. But buried somewhere. Tu vis. You live. Mais ton mariage est enterré quelque part. But your marriage is buried tu somewhere. Tu vis. You live. Mais tes finances sont enterrées your quelque part. Your finances are buried somewhere. Je veux dire que tu existes. You exist. Parce que j'ai dit qu'il y a une différence entre vivre et exister. It's a difference between living and existing. Quand tu es enterré. When you are buried. À cause du nom que tu portes. Because of the name you bear. Tu ne vis pas. You don't live. Ta vie n'a pas de sens. Your life makes no sense. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont l'argent mais même ils savent qu'ils ne vivent pas? You know some people have money but they know that they don't live. Et même ils savent qu'ils sont comme dans une prison. They know they are parce in a prison. Parce que la tombe est une prison. Because the grave is a prison. C'est-à-dire que tu as l'argent, tu voyages, tu reviens, mais tu sens que ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui te manque. You feel that you lack something. C'est parce que l'esprit humain du mort avec lequel on t'a marié. Because the human spirits of the dead with whom you were married. Tu as dit restons dans la tombe ensemble. So let's remain in the grave together. Tu es ici ce soir, you're here tonight. La première prière qu'on va faire, the first prayer we are going to on do, va s'attaquer à tout mariage spirituel avec l'esprit humain d'un mort. Fight against every spiritual marriage with the human spirit of a dead. Généralement, les grands-parents sorciers. Generally, who is our grandparents? Aime épouser les petits-fils. Love to marry the grandsons. Aime épouser leurs fils, leurs filles et les petits-fils. Love to marry their sons, daughters and grandsons. Et quand ils meurent, when they die, vous vous fêtez, oh la sorcière est morte. Le sorcier est mort, mais l'esprit du sorcier n'est pas mort. The spirit is dead, but the wizard is dead, but not the spirit. On tue le corps, mais on enchaîne l'esprit. They kill the body, but they chain up the spirit. Donc si la sorcière de votre famille est décédée, ne riez pas parce que elle peut être décédée, mais l'esprit continue à agir contre vous. Donc le premier mariage spirituel qu'on attaque ce soir, c'est le mariage spirituel avec l'esprit humain d'un mort. Le deuxième mariage spirituel qu'on attaque, the second spiritual marriage you attack, c'est avec l'esprit humain d'un vivant. Is with the human spirit of a living person. Avec l'esprit humain de quelqu'un qui vit encore. With the human person of somebody who's living. C'est-à-dire que c'est un oncle, c'est une tante, c'est un parent qui veut prospérer. A relative that wants to prosper. Et va dans ses pratiques. And goes in his practice. Avec les photos de ses enfants, de ses neveux, de ses frères, de ses soeurs, de son épouse. With the pictures of his family members. Et là-bas, and there, on lui dit il faut hypothéquer leurs étoiles. He sought to mortgage et mais pour que tu aies le droit légal pour hypothéquer. Que les étoiles on vous marie. For you to have the lawful right to do it, you are married. Il y a des oncles et des tantes qui aiment certains enfants plus que les autres. Some uncles and aunts love some children more than ce n'est pas un amour normal. It is not a normal love. De voir qu'un homme est marié à sa femme, mais il aime sa fille plus que sa femme. To see that a man loves his daughter more than his wife. Je dis que ce n'est pas normal. It is not normal. Si ton père t'aime plus que sa femme. If your father loves you more than qui his est ta wife, mère? Who is your mother? C'est que ton père inconsciemment ou consciemment te marie spirituellement. It means your father marries spiritually conscious c'est un danger. It's a danger que dans une famille, that in the family, un homme a man s'entend plus avec sa fille que sa femme. Agrees more with his daughter than his c'est wife. Ta fille qui garde ton argent. Your daughter keeps your money. C'est ta fille qui lave tes sous-vêtements. She washes your underwear. C'est ta fille qui dresse ton lit. She sets your c'est ta bed. Fille qui fait la table. She sets ta table. Fille qui fait ta nourriture. She cook your food. Et ta femme est là. And your wife ta is vraie there. Femme, your real wife c'est ta fille. Is your daughter. Et toi tu ris and you laugh en tant que fille as daughter de ce que about the fact ta mère est de côté. Ce que son. Tu ne sais pas, know, c'est que comme tu es marié à ton père, tu ne vas jamais father, te marier. You never get married.
Il y a deux manifestations du mariage spirituel comme ça. There are two manifestations. Parfois le gars aime trop la fille, si parfois ils sont toujours en train de se quereller. At times he loves the girl or at times they quarrel. Tu as l'impression que les deux gens, ils ont même quel problème. Le type s'y connecte ce qu'il a mis dans sa fille. He knows what he has dropped in his daughter. Et je l'ai dit avec Laban, Rachel et Léa. With Laban, Rachel and Leah. Laban a épousé spirituellement ses deux filles, c'est pour ça qu'il se moquait de Jacob. Laban spiritually married his daughter, that's why he was Jacob working at Jacob. Jacob a travaillé pendant 7 ans numéro 1 pour avoir Rachel. Jacob worked for 7 years, number one, to have pendant Rachel. Pendant les 7 premières années pour avoir Rachel. During the 7 first year to have Rachel. Jacob croyait que Laban était sérieux. Jacob thought Laban was serious. Il y a des papas ici dehors. There are some fathers out there. Qui ne veulent pas que leur fille aille en mariage. Who don't want their daughters to get married. Et toi tu dis que tu as l'argent, tu peux pas forcer. And you say you have money, you force. Ce que tu ne sais pas. What you don't know. C'est que le papa s'y est marié à sa fille. The father is married to his daughter. Il y a les mamans ici dehors. There are mothers out there. Qui ne veulent pas que leur fils se marie. Who don't want their son to get married. Il amène une fille, je ne la veux pas. I don't want that il amène une fille, je ne la veux pas. I don't want la mère. The mother. Si tu choisis les femmes de if ton you, fils, if you choose a wife of your son, consciemment ou inconsciemment, consciously or not, tu es sa femme. You are his wife. Si tu es dans cette église, if you are in this church, et c'est toi qui dis je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas pour tes fils, ce soir je vais te délivrer. I will deliver amen. You parce tonight. Que tu as une sorcellerie inconsciente qui te dérange. You have an unconscious witchcraft in you. Même si tu ne dis pas amen, je vais quand même te délivrer. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. The man will leave his father and mother. L'homme quittera son père et sa mère. The man will leave his father and et s'attachera mother. À sa femme. And will tie it up to his la Bible wife. Ne dit pas que the Bible doesn't say la that. Mère cherchera la femme de son fils. The mother will seek the wife of her son. Et va attacher la femme de son fils étant en laissant son fils à côté d'elle. And tie that woman to her son while leaving her son by her marie, side. Il doit quitter sa mère. For a man to get married, he must leave his mother. Tout homme qui veut se marier, every man who wants to get married, en étant sous la domination de sa mère, est marié à sa mère. Being under the yoke of his mother, is married to his mother. Quand tu vois dans un couple, you see in a couple, où c'est la mère qui dit si la femme est bien ou elle n'est pas bien, what the mother decides, si elle sait préparer ou pas, if she knows how to cook or not, si elle sait faire l'amour ou pas, if she knows how to make si love elle or sait not, être soumise ou pas, if she's submitted or not, le vrai mari du couple là, c'est la mère du gars là. The real husband of the couple is the mother of the man. Et les gars inconscients and men unconscious arrivent à un stade où reach a level where il est déjà marié à une fille. He's already married to a girl. Mais quand sa mère vient voir rendre visite, when his mother comes to pay them visit, sa femme va dormir dans la chambre des enfants et sa mère dort sur le lit. His mother sleeps on the bed tu and the wife's sleeping. J'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Où des mamans dorment sur le lit conjugal de leurs enfants. Mais on appelle ça la sorcellerie pro max. My God. On a un frère ici. I have a brother here. Son père qui est un grand sorcier, c'est un chef. Il voulait aller doter sa fiancée. He wanted to pay the dowry et son père lui a dit, fiancée. La condition que je te donne, condition I give tu you. Vas rentrer dans ma chambre et dormir dans ma chambre quelques jours avant d'aller doter ta femme. Qu'est-ce que tu vas aller dormir sur le lit de ton père pour aller doter? C'est qu'en fait, en dormant sur le lit de ton père, l'esprit de ton père t'envoûte. Et quand tu pars te marier, ta fiancée devient la femme de ton père. Your fiancée becomes your father's wife. Fire. Tu finis de dire fire comme ça. Tu fais comment pour t'en sortir en disant fire? C'est pas fire qui fait que tu t'en sortes. C'est qu'il faut une onction supérieure qui te délivre. Et ce soir, l'onction là est là pour yes. te libérer. Amen. Et tu seras libéré. Amen. Dis amen bien, s'il te plaît. Amen. Donc, l'esprit humain d'un vivant the human spirit of a living est très dangereux parce que it's very dangerous because quand c'est lui qui te donne l'argent, when he gives you money, quand c'est lui qui paye ton école, when he pays your school, quand c'est lui qui paye ton loyer, when he pays your rent, quand c'est lui qui s'occupe de toi, when he takes care of son you, esprit te contrôle. Spirit controls you. Il y a ce qu'on appelle des prisons dorées. That what we call golden prisons. Vous allez remarquer notice, les riches dans certaines familles rich men in some qui ne veulent families. Pas voir les autres prospérer. Ils aiment quand vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Ils vous contrôlent. Like to control you. Parce qu'il est votre mari. Because it's your husband. Laban vivait. Laban was alive. Et quand Jacob, when Jacob travaille 7 ans, écoute-moi, for 7 years, les dots super chers qu'on impose aux hommes là, expensive dowry imparts c'est to parce men. Que le père de la fille si veut t'envoyer un message, mais comme tu ne comprends pas, because your father is giving you a le message. Père si te dit mon fils ici c'est un terrain miné, comme tu es venu la repart comme tu es venu, il y a les filles dehors, mais la fille il faut la laisser, tu dis je l'aime, tu aimes la femme de quelqu'un,
La fille s'est mariée à son père. She's married to her father. Tu crois qu'une d'autre, on te demande 15 pour cela d'autre. Hey. On appelle ça le chassement. On te chasse, tu veux insister. C'est exactement ce que Laban a fait à Jacob. Il dit à Jacob, travaille-moi 7 ans. Work for 7 years. Écoute-moi bien. Listen. Si le travail de Jacob faisait 1 million par mois. If the work of Jacob was 1 million per month. En un an, Jacob a travaillé 12 millions. In 1 year he worked 12 millions. Si Jacob travaillait 500 000 par mois. If he worked 500,000 per month. En un an, Jacob a travaillé 6 millions. In 1 year 6 millions. Maintenant, si on part avec 1 million fois 7. If you multiply 1 million by 7. 1 million fois 7, 1 million by 7, ça fait combien? 12 millions fois 7 ans, ça fait combien? Alléluia. Ça fait combien? 84 millions. Tu fais ça fois 2 parce qu'il a encore travaillé 7 ans. Ça fait 14 ans. Ça fait combien? Il a encore travaillé 6 ans. Ça fait 20 ans. Jacob a travaillé pour un mariage de 240 millions. Écoute-moi bien. Listen to me well. Et ce gars finit de travailler comme ça 20 ans. He hadn't worked for 20 et Laban years. Dit tu ne pars pas. Laban say you don't go. Et quand il force pour partir. When he wanted to force comme in order l'esprit to go, humain de son beau-père est dans Rachel. As a human spirit of his father-in-law was in Rachel. L'esprit humain de son beau-père pousse Rachel à aller voler le fétiche de son père. That spirit pushed Rachel to see the fetish. Et quand elle sort de la maison de son père. Out of his father's household. Le fétiche renseigne à Laban là où il se trouve. The fetish told Laban where they are found. Tout ce que Rachel et son mari font, Laban est au courant. All what they do, Laban is aware. Et Laban apprend que Jacob a fui, il rit. Laban learned Jacob fled, he laughed. Et Jacob qui a pris l'avance sur Laban pour plusieurs jours a été rattrapé facilement par Laban. And Jacob was recovered easily by Laban. Et quand Laban rattrape Jacob, when Laban recovered Jacob, il dit à Jacob, he told Jacob, les filles que tu vois là sont mes filles. Mm. Those girls are mine. Leurs enfants sont mes enfants. Their children are mine. En temps normal, Laban aurait dit à Jacob, leurs enfants sont mes petits enfants. Mais si Laban dit à Jacob, leurs enfants sont mes enfants, ça veut dire que le père des enfants, si ce n'est pas Jacob, c'est Laban. Nous lisons. Genèse 31, verset 43, il est écrit. Il est écrit. Laban répondit. Laban répondit. Il dit à Jacob, ces filles sont mes filles. Ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Mais attends, si les, attends, quand tu as les enfants, tes enfants sont les petits-fils de ton parent. Your children are the grandsons of your parents. Mais si ces enfants sont les enfants de Laban, they are the children of ça veut dire que leur vrai père n'est pas Jacob. Jacob. Leur vrai père, c'est Laban. Parce que le vrai mari de Rachel, c'était Laban. Donc quand un jeune cadre va épouser une fille qui est mariée à son père, ce n'est pas la mort. Is he not dead? Tu es pasteur. You are pastor. Et tu vas chercher la fille d'un sorcier of a wizard qui épousait ses enfants. Married his children. Tu crois que ton ministère va aller où? Where do you think your ministry will go? Reprends-moi le verset. Genèse 31, verset 43, il est écrit. Il est écrit. Laban répondit. Laban répondit. Et dit à Jacob. Il dit à Jacob. Ces filles sont mes filles. Ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Les enfants des filles, ce sont mes enfants. Hey. Tu vas voir dans certaines familles, you will see some families, le grand-père force, il impose au beau-fils. Je reconnais les enfants. The grandfather imposes. Tu crois que c'est normal? C'est un sorcier. Ce n'est pas l'excès d'amour. Écoute-moi bien. Beau-père, si tu aimes ton fils ou ta fille, les enfants de ta fille ne sont pas tes enfants. Tu es papy. Tu n'es pas papa. Tout parent doit s'occuper de ses enfants. Si ton père a l'argent, qui te donne, tu donnes à tes enfants. Si ton oncle a l'argent, il te donne, tu donnes à tes enfants. À cause de la pauvreté et de l'ignorance. Because of poverty and ignorance. Beaucoup de pauvres ont donné le nom homonyme aux riches sorciers parce qu'ils voulaient que le riche s'occupe des enfants. Many poor gave the namesake to rich wizard because they wanted them to take care of children. Tu n'as rien envoyé à ton bombo. Nothing to your namesake. Tu n'as rien envoyé à ton bombo. Have you nothing to send to your namesake? Bombo sorcier épouse tous ses homonymes. Wizard namesake marries all his namesake. Mm-hmm. On va prier contre tout esprit humain. We are going to pray against every human spirit. Mari spirituel. Spiritual husband. Tout esprit humain d'un mort. Every human spirit of a dead. Tout mari spirituel, esprit humain d'un vivant. Every spiritual husband of a living one. Parce que parmi les esprits humains des vivants.
among the human spirits of those who are alive. On a les membres de nos familles satanistes. Our satanist family members. Un patron sataniste peut t'épouser. A satanist boss can marry you. Un bailleur sataniste peut t'épouser. A satanist landlord can marry you. Un ex ou un copain actuel, un compagnon actuel avec qui tu couches peut t'épouser. A satanist partner can marry you. J'ai vu des filles me raconter des histoires incroyables. I've seen girls recounted incredible elles stories. Sont avec un monsieur, tout ce qu'elle fait, il est au courant. She's dating a man, all what she does, he's aware. Dès qu'elle veut mettre ses pieds, puis il appelle, lui qu'il ne part pas là-bas. When she wants to go somewhere, he called her. Un jour, pendant qu'on évangélisait du côté de la Sonnette Centrale. One day, as we're preaching the gospel at Sonnette Centrale. Pendant que j'évangélisais, les gens étaient assis par terre, je parlais. People were sitting un on jeune the homme est aussi, il s'est approché, il s'est mis debout, il m'écoutait. A young man was listening. Et après qu'il ait fini de prêcher, after preaching, les frères l'ont abordé. Après, il a dit aux frères qu'en fait, moi, je veux causer avec votre patron. Je te parle des affaires 2013-2012. Il dit, je veux causer avec votre patron. I want to talk with your boss. Et on l'a amené vers moi. He was brought to me. Il me dit, je vous ai écouté, vous êtes assez éloquent. I listen how you preach, you're moi, jeune, c'est bien ce que vous faites. Mais cool. Il m'apprécie. J'ai dit, que tu n'es pas venu ici pour m'apprécier, frère. Tu as les points spirituels. Et parmi tes points spirituels, tu es marié à ta mère. Ta mère est ta femme spirituelle. En fait, ta mère est ton mari spirituel. Le gars a commencé à me parler. Il est un Ivoirien et il était dans Médecins Sans Frontières. Il était en mission au Cameroun. Et dans le côté maternel de sa famille, ils sont tous rosocruciens. Dans le côté paternel, ils sont dans la cabale et la franc-maçonnerie. Pendant qu'il parlait avec moi, sa mère l'a appelé. Elle lui a dit, quitte le mulet là où tu es là. Je ne veux pas te voir là-bas. Le monsieur avec qui tu causes n'est pas un bon type. Quitte-le. J'ouvre une parenthèse pour te dire que pendant que tu crois que je suis un bon pasteur, il y a des sorciers qui trouvent que je suis méchant. Sa mère l'a appelé. His mother called him. Elle lui dit, quitte le monsieur avec qui tu parles. Leave the man with whom you are talking. Ce n'est pas bien. He's not a good man. J'ouvre une autre parenthèse. I open another branch. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes mariées à leur fils qui couchent physiquement avec leur fils? There are women married to their son who spiritually have sex, physically have sex with their son. Il y a les hommes mariés spirituellement à leur fille qui couchent physiquement avec leur fille. There are men who are spiritually married to their daughter who have sex with their daughter. J'ai une de mes filles spirituelles, c'est le petit frère de sa mère. Qui lui a payé l'école, qui lui a tout fait. Qui l'a hébergé chez lui. Lodged her in her house. Et c'est son petit frère là, il a dragué sa nièce. And he caught his niece. Il couchait avec sa nièce jusqu'à ce qu'elle me rencontre. He slept with her till she met sa me. Sa femme n'est pas au courant. Wife is not aware. Sa mère n'est pas au courant. His mother is not aware. Là c'est une autre dimension. It's another où level. Là maintenant ce n'est plus une relation de des esprits. It's not a spiritual relationship. Donc quand il rentre le soir. Evening, et que sa femme encore travaille. And his wife is still il couche d'abord avec sa première femme qui est sa nièce. He sleeps first of all with his niece. Après il va coucher avec sa femme. After he will sleep with his wife. Maintenant toi un naïf, tu vois la fille parce qu'elle est belle, tu dis que tu peux l'épouser. Tu connais qui est son vrai mari. Tu vois des gars, leurs affaires ont chuté parce qu'ils sont allés coucher avec des filles mariées au gogo. Ne vois pas la belle fille comme tu vois là. Tu sais que qui est son mari spirituel. Le mari spirituel jaloux sèche tes affaires. Le mari spirituel jaloux te rend impuissant. Le mari spirituel jaloux te détruit le travail. Du jour au lendemain, tu allais parler à ton patron, on te licencie. Parce que tu allais coucher avec une fille qui est mariée spirituellement à un esprit jaloux. La plupart de ceux qui sont mariés spirituellement aux esprits humains d'un vivant sont contrôlés là où ils partent. Tu es assis là, il sait que tu es dans une église. Et pour le moins, il te laisse encore faire tant que les pieds ne chauffent pas encore. Dès que tu dis que tu veux t'engager à l'église, la guerre va commencer. Il y a beaucoup de filles. Si tu es venu en cachette, ton sorcier sait. Je vais te donner un conseil. Soit tu t'engages réellement avec Dieu, soit tu laisses. Tous ceux qui viennent ici en cachette, là, il faut laisser. Tous les sorciers que vous envoûtez savent que vous êtes à l'église. L'histoire où vous partez à l'église, vous vous cachez, il faut arrêter ça. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Soit tu veux la délivrance, soit tu veux t'amuser. Ici, on ne vient pas en cachette. Ici, on vient et on s'affiche. Parce qu'il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Amen. Mets-toi de moi à prier. Il est hors de question que tu passes sans me toucher haut. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh.
Hey Baba. Hey Baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est hors de question, eh. Il est hors de question que tu passes sans. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse. Moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Eh baba, eh. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh. Hey Baba, hey Baba, hey. Hey Baba, hey. Papa est là, il va me délivrer, oh. Hey Baba, hey. Rabbi est là, il va me sauver, oh. Hey Baba, hey. Jésus est là, il va me faire du bien. Hey Baba, hey. Il est hors de question, eh. Hey. Avec moi, paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel, que tout mariage spirituel établi dans ma vie, établi dans ma vie, à cause du nom que je porte, à cause du nom que je porte, que ce mariage soit brisé, que ce mariage soit pendant brisé. Que je prie, oh. En claquant les mains. Élève ta voix prie, en claquant les mains. Yes. Tout mariage spirituel hey. Établi dans ma vie ah. À cause du nom que je porte est détruit. Prie en claquant les mains. Yes. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Dis, oh Dieu, que tout mariage spirituel établi dans ma vie à cause du nom que je porte soit détruit ce soir, soit détruit ce soir, soit détruit ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que tout mariage spirituel qui a été établi dans ta vie à cause du nom que tu portes, que ce mariage soit détruit. Que ce mariage soit détruit. Pendant que tu pries en claquant les mains. Pendant que tu pries en claquant les mains. Tout mariage spirituel hey. En vigueur dans ma vie à cause de mon nom à cause de mon nom je détruis le mariage yes. Que ce mariage soit brisé yes. Brisé 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 brisé. À cause du nom de mon géniteur, hey. À cause du nom de ma génitrice, à cause du nom de mon tuteur. Élève ta voix et prie, ne t'arrête pas de prier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen comme le tonnerre. Amen. Dis paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel, que tout mariage spirituel établi dans ma vie, établi dans ma vie, à cause d'un tuteur, à cause d'un tuteur, ce mariage est brisé. Ce mariage est brisé. Pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains. Prie ce mariage. Tout mariage établi dans ta vie. À cause d'un tuteur, à cause d'un tuteur, est détruit. À cause d'un tuteur, est détruit. Détruis ce mariage, yes. Détruis ce mariage, yes. Détruis ce mariage, yes. Que ce soit by fire, yes. By fire, yes. Le mariage entre toi et lui, est détruit. Le mariage entre toi et lui, est détruit. Le mariage entre toi et lui, est détruit. Détruis ce mariage, yes. Détruis ce mariage. Pendant que tu pries, détruis ce mariage. Pendant que tu pries, détruis ce mariage. Pendant que tu pries, détruis ce mariage. Pendant que tu pries. Détruis ce mariage, 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 yes, prie, encore les morts, ta façon de prier est bizarre, ta façon de
au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis amen au fort. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout mariage spirituel. Que tout mariage spirituel. Établi dans ma vie. Établi dans ma vie. Avec l'esprit humain de mort. 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 À cause des pratiques. À cause des pratiques. Faites pendant le deuil. Faites pendant le deuil. Pendant l'enterrement. Pendant l'enterrement. Que ce mariage spirituel. Que ce mariage spirituel. Soit brisé. Brisé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Brisé. 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 Toute pratique dans ma famille. Hey. Où on nous a enterré. Hey. Avec mon grand-père. Hey. Je me sépare. Je me sépare. Enterré. Avec ma grand-mère. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. De ce mariage. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare, je me sépare. Je me sépare, je me sépare. 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 Tout rite qu'on a fait. Pendant qu'on enterrait quelqu'un dans ta famille, je me sépare. Pendant qu'on enterrait ton grand-père, je me sépare. Pendant qu'on enterrait ta grand-mère, je me sépare. Pendant qu'on enterrait ton père, je me sépare. Pendant qu'on enterrait ta mère, je me sépare. Tout ce qu'ils ont fait, pendant l'enterrement, je me sépare. Sépare-toi. Séparation. 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 Toute forme de danse mystique. Hey. Toute forme de danse bizarre. Qu'on a fait pendant un enterrement. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de que Jésus. Tout mariage spirituel. Que tout mariage spirituel. Établi dans ma vie. Établi dans ma vie. Avec l'esprit humain. Avec l'esprit humain. À cause des relations amoureuses. À cause des relations amoureuses. À cause des relations amicales. À cause des relations amicales. À cause des relations professionnelles. À cause des relations professionnelles. Ce mariage est brisé. Ce mariage est brisé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Encore les mains. Prie. Brise ce mariage spirituel. Yes. 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 Tout mariage spirituel établi. Détruis ce mariage dans ta vie. Le mariage spirituel avec l'esprit humain est détruit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute-moi. Maintenant, tu vas prier contre tout mariage spirituel établi dans ta vie à cause des relations sexuelles. Tu as vu, j'ai parlé amoureuse, amicale, professionnelle. Je n'ai pas parlé des relations sexuelles parce que la plus grande porte du mariage spirituel est liée au rapport sexuel. Écoute-moi très bien. Tu peux être séparé avec quelqu'un il y a 20 ans, mais comme c'est un sorcier. Je connais une fille avec qui j'ai parlé en 2016. Elle, quand elle est née, son père est parti demander son nom au bord de la mer à Kribi. Le nom que son père lui a donné sont les esprits des eaux qui ont donné ça. Donc la qualité de fille, là, quand tu pars coucher avec elle, tu penses que tu couches avec quelqu'un. Généralement, quand nous on veut coucher, quand nous on veut se marier, quand nous on veut les amis, on regarde l'apparence, on ne regarde pas l'esprit qui est derrière. Et aujourd'hui, tu as les problèmes, tu as des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes dans ton ministère. Tu avais couché avec qui? Tu crois que c'est un hasard si lorsque Dieu dit à Manoac, ta femme va tomber enceinte, mais l'enfant qui va naître là, ne coupez pas ses cheveux, mais qui n'ait aucune alliance avec les étrangères. Ce n'est pas un hasard. Parce que la plupart des étrangères sont au diable. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom que de tout Jésus. Mariage spirituel que tout mariage spirituel établi dans ma vie. Établi dans ma vie. À cause d'une relation sexuelle. À cause d'une relation sexuelle. Ce soir. Ce mariage est brisé. Pendant que je prie. Ce mariage est brisé. Yes. Je brise ce mariage. Je brise ce mariage. J'ai brisé. Tout mariage est établi dans ma vie. Hey, à cause d'une relation sexuelle. À cause d'une relation sexuelle. C'est détruit. Avec une ex. C'est brisé. Avec un ex. C'est brisé. Avec un passager. C'est brisé. Avec une personne. C'est brisé. Je brise ce mariage. C'est brisé. Je brise ce mariage. C'est brisé. Je brise ce
ce mariage, brisé. Quel que soit l'acte sexuel qui m'a condamné à un mariage spirituel, je détruis cela. Je détruis ce mariage. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Je prie et je déclare par l'onction et la grâce de Dieu. Yes. Qu'à partir de ce soir, que tout mariage spirituel établi dans ta vie, à cause du nom que tu portes, je brise ce mariage au nom de Jésus. Amen. Je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Yes. Et je déclare en ma qualité de prophète, d'apôtre, yes, de sacrificateur, yes, tout mariage établi dans ta vie, qui t'impose les couches de nuit, les repas de nuit, je brise ce mariage au nom de Jésus. Amen. Tout mariage établi dans ta vie, qui t'impose la stérilité, l'infertilité, l'impuissance, les fibromes, les myomes, ce mariage est brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. J'arrive dans ta famille maternelle. Yes. Tous tes esprits de mort auxquels on a marié les enfants. Je déclare le divorce. Amen. Je déclare la séparation. Séparation. La séparation. Séparation. Je déclare dans ta famille maternelle. Yes. Tout mariage spirituel est brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé. Amen. J'arrive dans ta famille paternelle. Yes. Toute personne qui vous a marié à son esprit, esprit de mort, esprit humain d'un vivant, mariage brisé, brisé, 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 au nom de Jésus. Amen. Par l'onction et la grâce de Dieu, tout mariage spirituel imposé dans ta famille à cause du nom du grand-père, le mariage est brisé, brisé, à cause du nom de la grand-mère, brisé, le mariage est brisé. Brisé. À cause du nom d'un sorcier, le mariage est brisé. Brisé. J'arrive dans ta famille, yes, et je déclare, yes, le totem auquel on vous a marié. Je tue le totem là. Amen. Je tue le totem là. Amen. Je tue le totem là. Amen. Tout serpent dans ta famille auquel on a marié les enfants. Le serpent la meurt. Il meurt. 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 Je te libère. Libéré. Je libère tes frères. Libéré. Je libère tes soeurs. Libéré. Je libère tes enfants. Libéré. Je libère ton étoile. Libéré. Le serpent vous vomit. Amen. Je parle à cinq personnes. Cinq personnes. Le serpent qui bloque ton mariage. Vous vomit. Le serpent qui bloque ton affaire. Vous vomit. Il y a cinq personnes dans cette salle. Il y a un serpent qui te pourchasse. Il y a un serpent qui te menace. Il y a un serpent qui te dérange. Jesus. Pendant que je parle, le serpent meurt. Il meurt et tu es libéré. Amen. Il meurt. Il meurt et tu es libéré. Amen. Et tu es libéré. Libéré. 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 Tu es libéré. Libéré. Je déclare, yes, tout totem de famille auquel on vous a marié. My God. Le totem la meurt. Il meurt. 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 Le totem meurt. Il meurt. Lève les mains. Je déclare dans cette atmosphère, yes, avant la fin de cette semaine, yes, tout sataniste, tout sorcier, qui s'est assis sur ta vie, à partir d'un mariage spirituel, my God, je le fais chuter. Amen. 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 Tout homme qui dit que tu lui appartiens, toute femme qui dit que tu ne seras rien, pendant que je lève mon doigt vers le ciel, je déclare sa chute. Je déclare sa chute. Je déclare sa chute. Je déclare sa chute. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Tout homme qui s'est assis sur ta vie, parce qu'il t'avait donné l'argent, parce qu'il t'avait aidé, ce soir, il tombe. 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 Je déclare, yes, tu as couché avec un sorcier, avec une sataniste, et il a contrôlé ta vie, my God, bloqué ton voyage, my God,
détruit tes contrats, bloqué ta carrière, ce soir, je te libère, 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 je te libère. Tout sorcier, toute prostituée qui contrôle ta vie à partir d'une relation sexuelle, je te sépare, je te sépare, je te sépare, je te sépare, au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que cette semaine, tout mari spirituel qui s'est attaqué à ta vie, qu'il soit vivant ou mort, je l'enchaîne au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi.